Regardez, il y a écrit. Veux-tu regarder cette prochaine game? Regarde-moi, je veux la regarder. You want to see it? Je vais me faire plaisir, hein, parce que c'est une game exceptionnelle. Hein. Franchement, Solar a été chaud. Forge a été chaud. Ouais. On pensait, franchement, je pensais que ce Solar allait gagner. Hein. Ouais, là, moi aussi, très bas, clairement. À un moment, je le sentais vraiment devant. Hein. Non, très clairement. Bah, ouais, non. C'est magnifique. Il avait vraiment la possession du terrain. Il a continué. Ce qui est énorme, c'est qu'il se prenait des coups et il continuait à avancer avec la tête devant. Vas-y, donne-moi des coups. Et il continuait, Bah, à la fin, il a donné un bon coup de boule et ça marchait. C'est ça. Qu'il a pas... Starcraft 2, une histoire de coup de boule. En tout cas, de prise de tête. Ah ben voilà. Hein. Franchement, voir un terrain comme ça continuer, c'est exceptionnel. Ah, c'était vraiment de la belle game. On va voir ce que va donner cette deuxième game, mes amis. Nous avons donc en bas à gauche de la map sur Luxuriance pour la team Millennium 4GG. Oh yeah. Il mène 1-0 dans sa fatness. Et en haut à droite de la map pour la team Samsung. Donc c'est bien les téléphones, l'électroménager, tout ça là. Hop là, Solar mes amis. Joueur Zerg. Oh. Qui envoie du fat poulet. Et maman a senti un worker qui part un peu scooter trop tôt, comme si c'était un double Raxa 11, c'est ça que tu sens? Je suis pas sûr que c'est double Raxa 11, peut-être 12 ou 13. C'est que ça. C'est trop tard pour un double Raxa 11. Je dirais 13, je dirais. Attention, on va voir de toute façon tout simplement. Ça peut être un petit proxy Reaper. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, bah, proxy Reaper, les mecs, c'est du 8-8-8, hein, c'est pas du 10-10. Non, parce qu'ils le font aussi. Ah, il va double Rax 12 et fin, quoi. Voilà, mais c'est un double Rax à 11, quoi. C'est trop de précision ce soir. Attention, ne blague pas dans les expressions. Un all-in est un all-in, un photon rush est un. Attention, les mecs. Non, mais ceci dit, là, ça change beaucoup de choses. Ah, t'as raison, c'est pas un 12-12. C'est-à-dire, déjà, ça va être un 12-14 qui est la version la plus macro d'un de Rax. Deuxièmement, ces Rax sont pas très loin de sa B2, donc il va probablement wall sa B2 avec ses deux Rax. Et là, c'est une pression, mais il y a une intention de partir macro derrière. Clairement. Le 12-14, très clairement. Je pensais vraiment qu'il allait 12-12, mais 12-14. Donc, c'est intéressant ce qu'il fait, la Forge GG. Parce qu'il dit, je veux mettre une grosse agression, mais derrière, il connaît le metagame de son agression. Et il a conscience de. Il préfère avoir la sécurité de ce metagame derrière son agression plutôt que de faire un double Raxa 11 très violent et qui pourrait faire très très mal. C'est dommage pour Forge GG parce qu'un double Raxa 11 aurait sanctionné, je pense, Solar, parce que là, il est parti quand même sur Hatch 15 et Pool 16. Puis après gaz, donc c'est quand même assez, on va dire, un peu plus greedy. T'as deux drones de plus, donc t'auras peut-être moins de larves. Ouais. Il aurait pu sanctionner parce que le double Raxa 11, ça se joue vraiment au timing près. Genre à deux secondes près, le bunker bien positionné, les marines qui peuvent arriver, les trois SCV qui arrivent, le barrage qui sont un peu plus proches. Là, tu vois, là, il se positionne, il voit qu'il y a la B2, il va faire le bunker reculer normalement. Et en plus de tous les éléments qu'a mentionné Moment, il faut voir que Solar n'a pas son deuxième over au-dessus de sa B2, donc il aurait pu poser son bunker tranquillement. Et donc, ouais. Et il pull. Ouais, mais comme il est 12-14, quand même, je trouve ça bien qu'il fasse le premier d'abord derrière parce que et voilà, il va avancer petit à petit. Et encore une fois, il n'est pas 11-11. Mais t'as raison, il aurait pu le poser directement. Même si, bon, là, le petit drone vient scooter parce que c'est le timing de l'Overlord qui arrive et qui scoot. Qu'il y a évidemment, Barakmon qui manque. Il a annulé. Ça, c'est une win énorme pour Forge GG. Solar, il n'a pas compris que c'était un 12-14. En plus, c'est bizarre parce qu'il a vu que deux SCV partir. C'est vraiment bien joué de la part de Forge GG. Finalement, au main game, c'est parfait parce que 12-14, comme on l'a dit, c'est de la macro. C'est plus parti sur de la macro. Et là, il a annulé sa hatch, donc c'est-à-dire qu'il va sûrement s'installer devant le Zerg. Et donc, pour prendre la B2, ça va être très très dur. Et en plus, il pose une spine en plus, Solar. Donc, il a vraiment peur. Hein. Il pense que c'est un 11-11 proxy et qu'il se chie dessus là. Ouais, il a dû être traumatisé par du 11-11 récemment pour réagir comme ça. Ouais, mais c'est sûr. Attention, les 5 Marines qui sont là, ils vont peut-être sanctionner ce petit Queen. Non, il va reculer, il y a quand même pas mal de Zergling. Du coup, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand est-ce que Forge GG va envoyer son follow-up, parce que là, il a déjà fait le travail. Limite, lui, il n'est même pas obligé de continuer l'agression dans son état actuel. Il peut poser la B2 rapidement et fake la pression. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est très bien joué de la part de Forge GG. Vous voyez que les Barakmon sont sur le retour. Et qu'on a le CC qui a été envoyé avec le double gaz. Il y a un point important, c'est qu'il continue à récolter du gaz. Pourquoi? Est-ce qu'il va faire son lair? Est-ce qu'il va faire le roach? Qu'est-ce qu'il va décider? Mais vu que Forge GG n'attaque pas, les mecs, ça rééquilibre quand même vachement la game. Hein. Non. Moi, je trouve quand même un peu plus que si au final, il avait juste annulé sa B2 et que la pression avait continué. Tu vois ce que je veux te dire? Bah là, il perd rien du tout en fait. Là, ce qui se passe, c'est que Forge GG a l'information qu'il a pas B2. Il a les Marines qui sont pas morts. Il a B2. Il aura B2 avant que le Zerg. Non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je trouve que le move de Forge GG est bon. Ce que je veux vous dire, c'est que en termes au final de technologie et de collecteur, la B2 va être posée plus tard. Mais je trouve que. Non, t'as raison.
Non, pour moi, là, l'avantage, il est énorme. ForgeG, il aura sa B3 de fini. Il aura son orbital B3 de fini. Et puis, il avant se défendre de toute avant façon, la B2 et ça servira à rien. Non, mais là, il va all-in. C'est obligé. Solar et doit partir all-in. Là, dans sa tête, s'il a fait l'air, c'est qu'il va un truc derrière. Il y a un truc derrière qui est caché, qu'on sait pas encore. Mais quoi, Nidus? Un petit Nidus? Ouais, un bon Nidus, je pense. Un Nidus. Balance-moi non Nidus. Allez, mon bébé. Il y a l'Overlord qui est positionné en plus au-dessus de la B1. Allez, non? Tu veux pas faire ton Nidus? Mais au final, ils ont toujours la même écho pour le moment. Oh, Nidus. Voilà. Oh. Et donc c'est ça, vois, il va partir ça all-in. Se tient, quoi. Ça, ouais, là, se tient. Là, c'est un all-in. Si ça passe pas, c'est la merde. C'est ce que je voulais exprimer, mais j'ai pas trouvé le bon angle. Alors, du coup, j'ai bégayé. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'au final, ForgeG, ne continue pas à faire des mines que normalement tu fais en double accès. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux joueurs qui n'ont pas spécialement tous les deux beaucoup d'armées et qui ont foncièrement à peu près la même écho parce que ForgeG ne profite pas encore de sa B2. C'est pour ça que paradoxalement, pour le moment, on reste sur une game équilibrée beaucoup plus que si il avait pris le risque de continuer sa pression sur son 12-14 et donc de décaler sa B2. C'est ce que je voulais dire en quelque sorte. Mais bon, ceci étant, il y a toujours évidemment avantage pour ForgeG. Je ne remets pas ça en cause, bien évidemment. Un petit baraquement ici qui est posé. Waouh, il voulait faire le Nidus et regarde, il fait plus le moment, il fait le supplé dépôt sur la. Donc sur du la, coup, il se dit, bah attends, croquon. Parce que là il ce qui s'est passé. Pourtant le Nidus, hein. Non, il a voulu l'envoyer, mais il y a le supplé dépôt qui s'est fait. Et là, il en a fait un juste il a mis côté. Il a mis ses queens dans son Nidus. Et là, je pense que tout simplement, s'il arrive à mettre du creep sur la B2 de ForgeG, ça peut être suffisamment rentable. Là. Mais ça me dit quelque chose, ça. Je crois que Solar a fait exactement ce même move à la MM Anoscope, les poulets. Exactement. Avec le coup des trois queens ici. Et le coup aussi du creep pour empêcher après la pose de B2. Sauf que pendant la MM Anoscope, c'était différent. La B2 n'avait pas encore été posée. On était sur des timings qui étaient beaucoup plus agressifs. Et il refait ce même move. Donc en fait, les amis, le verre de Nidus, il a jamais eu dans l'idée de le poser dans B1. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que dès le début, il voulait le poser dans B2. En plus, sur cette map, la B1 est très très petite, donc c'est quasi impossible de le poser. Et le blue flame qui va match par contre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ForgeG, là, il fait un bull qui date de 2012 et que Bomber utilisait beaucoup. Tu fais un proxy d'Orax, pas trop proxy, et tu transitionnes sur des lions blue flame. Et si le Zerg par parole derrière, il prend tellement la foudre sur les lions. Attends, mais là ça peut se finir. Eh mais là c'est dommage parce que Solar était pas tant à la bourre que ça. C'est-à-dire, il a quoi bah, regardez, il a 40 collecteurs à 31, donc il est totalement revenu dans la game, même maintenant. Mais faut jamais oublier que quand on a eu Artar, la personne a fait quand même des dépenses. Donc tu peux pas te dire que parce que maintenant c'est égalité, ils sont à égalité. Il y a quand même un avantage pour ForgeG, mais son choix du Blue Flame, pour moi, c'est vraiment le hippon qui va arriver alors que le mec, limite, il avait fait le plus dur, quoi. C'est. Enfin, il avait fait le plus dur. Ouais. Va savoir, parce que c'est vrai que le cancel de B2, du coup, quand on y repense, bon... Et là, ça va être très dur là, hein, pour Solar. Solar, c'est dommage. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ça? Il y a quand même les flammes bleues. Flammes bleues, ça fait un massacre sur les zergs. Il n'y a pas de roach en face. Quatre les queens. Ils vont sûrement mourir. Attention, une micro, il est en train de foncer dans le lard. C'est parti, il pense avoir la fenêtre. C'est la fenêtre qui fait tellement mal. Regarde-moi ça, il tue tous les zerglings. Les zerglings qui vont mourir, les queens, ils vont rien pour défendre. Ça va être un carnage. Est-ce qu'il va finir la game là-dessus? Est-ce que ça va être un 2-0 pour ForgeG? Oh là 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 qui vont arriver. Ah non, les bannings qui se font cancel, c'est dommage Solar. C'est dommage parce qu'au final, ça passait GG pas mal. GG 2-0 ForgeG. Waouh, ForgeG qui a balancé du steak. Hein. Waouh, c'était très beau. Solar, Solar, génial. Parce que génial, c'est quand même génial ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas eu le Blue Flame, est-ce que ça serait fini comme ça? Pas sûr. Franchement, pas sûr. Et je trouve en fait son début de game était plutôt pas mal. Enfin, après, évidemment, c'est facile à dire quand on connaît la réaction de ForgeG. Vous l'avez compris, il s'en est bien sorti parce que aussi ForgeG a fait des choix dont il n'avait pas connaissance, qui a fait qu'au final, il y a pire. Dommage, moi, je trouve, bordel, ForgeG, mettre jusqu'au bout. Non seulement au début, il place son bon brain et il fait cancel la B2 gratuit. Et en plus, derrière, sur le timing, où on va dire Solar aurait pu se refaire et commencer à bien se refaire, il revient avec un petit Blue Flame pour te dire, écoute, poulet, tu es du Haagen-Dazs, je suis... je suis une lampe, enfin une lampe torche. Je suis un briquet, un chalumeau. Voilà. Forger la lampe torche. La lampe torche. Alors, qui sait ? Il y a un beau Photoshop à faire là. Ah, très bien joué, hein. Très très belle game. C'est solide, hein. Magnifique war round sur ce coup-là. Alors, c'est un 2-0, mais j'ai hâte de voir la prochaine participation de Solar. C'est qui déjà le troisième joueur, Kiri ? Protoss. Alors, c'est MC le troisième joueur. Le président. Hey, papy. Le président. Alors, je peux pas te dire si c'est des belles games ou pas parce qu'elles sont record demain. On devait record samedi. MC était à la gym en fait, si tu veux les coulisses. D'accord. Donc, il est rentré à 20h. J'étais à la gym, désolé. Donc, du coup, on record tout le reste demain.
avant que MC parte à l'homme. Tu vois, je suis pas étonné. Alors, tu me diras, ça se trouve, MC va à la gym que depuis deux semaines. Mais je suis pas étonné qu'il aille à la gym parce que je pense que pour vraiment être un joueur comme lui, c'est-à-dire à réussir à chaque fois à toutes les compétitions à parfait, il faut avoir une certaine hygiène de vie à un moment. Elki nous en avait parlé, l'expliquait bien. Et ça m'étonne pas d'apprendre qu'un joueur comme MC va à la gym, tu vois. Ça prouve que, enfin, tu vois, les mecs travaillent plus que leur jeu et leur vie est aussi conditionnée pour faire en sorte que leur jeu soit meilleur. Et je pense que c'est comme ça qu'on devient le meilleur. C'est comme ça qu'on devient le meilleur. Là, c'est quoi le match de demain du coup de la semaine prochaine? I will ce sera... be your champions. I will be your champion, bien sûr. Ce sera MC contre. Alors MC, je vais pas te le dire parce que ça va. Ça dépend en fait de ce que je vais record demain. Voilà, c'est surprise. D'accord. C'est les derniers matchs qui sont record, les deux autres matchs qui sont record demain. D'accord. En tout cas, magnifique émission. Ouais. GG aux participants. La prochaine fois, du coup, ce sera Lilbo contre Firecake et DNS contre Downfall. Les deux autres quarts de finale. Et le Warhound, pour l'instant, c'est surprise. Il faudra venir lundi pour savoir qui va jouer. GG l'émission. C'était bien sympathique. On espère que vous avez kiffé chez vous. On s'est fait plaisir, nous. Ouais. Merci Imre d'être passé. Bonne chance pour ces prochaines LAN. Ouais. Merci à vous, c'était super sympa de venir. Puis en plus, des belles games, donc c'était cool. Rappelle où on peut te retrouver, ton équipe, Twitter. Sur Twitter, NB Imre, I-M-R-E. Et sur Facebook, Nuit Blanche. Donc là, vous trouverez la team StarCraft 2, etc. Donc là, il y aura toutes les actus de la team en général, notamment de la line-up qui est engagée dans pas mal de compétitions, etc. Voilà, parce qu'on rappelle donc, que tu fais partie de la team Nuit Blanche. Et Nuit Blanche, c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler dans les underdogs et des choses comme ça, mais tu l'as expliqué aussi, parce que tous les joueurs ne sont pas forcément français. Ouais, on a pas mal d'inter dans la line-up, donc ils n'ont pas forcément vocation à participer voilà, à des événements. Il faut le dire aussi, c'est une équipe qui... on va dire que dans les prochaines équipes qui pourraient faire parler d'eux, un peu comme a pu le faire Stabilo avec Punchline, y a clairement Nuit Blanche qui pousse. Ils ont battu A, je crois, dans Clan War, non? Et qui envoie du patchwork. Récemment, je sais pas, la dernière saison de Pandaria, ça s'est. Ils cherchent la merde. La dernière saison de Pandaria, ça s'était pas très bien passé pour AA en finale, on va dire, vu qu'ils ont mangé un petit 4-1. Donc... Voilà, donc c'est pour vous dire que Nuit Blanche sont présents. Ils sont les petites guéguerres de team. T'as eu 4-1 de temps. Et du coup, petit big up à la Home Story Cup qui commence ce jeudi. J'ai eu l'info. Jeudi, là, vendredi, samedi, dimanche. Et à partir de 14h, casté sur OGaming. Ouais. Sur le plateau, mes amis. On sera fat, on sera là, et on vous rappelle que la HSC, eh ben ça claque, hein, mes amis. La Home Story Cup, c'est toujours du lourd, donc ça va être très sympathique. Je ne sais pas encore quels joueurs ont été annoncés. Ils font plus le coup des. Ils avaient eu un super bon concept. Si, ils ont sorti tout leur. Ils font toujours des rébus là. Tu sais, ils mettaient deux images et tu devais trouver le joueur. Les joueurs sont annoncés, et notamment on a pas mal de Français. On a Stefano qui est aussi. D'accord. Donc Stefano qui est plutôt en forme. On l'a vu ce week-end dans, enfin pas ce week-end, mercredi dernier dans Nation War. Donc il a pas mal traîné, donc il peut faire un petit quelque chose. Et après, j'ai pas la liste en tête, mais il y a du beau monde comme d'habitude, quoi. Il y a Stefano. Il y a pas un moment. Et non, il ne pourra pas cette fois-ci. S'imposer par le skill au poker. S'imposer au poker et pigeonner tous les joueurs là-bas qui étaient venus pour gagner une compétition. Ils ont dû se dire non. Il s'est fait nerf. Qui lui a dit non. Alors, si le moment vient, je ne viens pas. J'en ai marre de perdre mon argent. C'est non, ça. Non, c'est juste que j'avais une autre LAN en même temps, donc je ne pouvais pas trop. J'avais d'autres gens à souiller. Il faut laisser. En tout cas, merci beaucoup. Cool pour le 50% du kiss-kiss. Et messieurs, grand merci encore. Je vous laisse finir. Eh bien, on vous remercie encore d'être aussi nombreux à nous suivre. On vous rappelle qu'il reste un peu moins de 310 places maintenant. Donc, si vous voulez les prendre, n'hésitez pas, mes amis, parce qu'on va s'éclater et qu'après, ce sera trop tard et qu'à chaque événement qu'on a pu faire avec OGaming, j'ai vu combien de personnes qui disaient « Ah, mais j'aurais dû prendre... » Non, mais sans blaguer, en plus, j'ai pas ça pour voir. C'est fou, comment... Vous vendez pas des places. Eh non, bah non, mec, mais on t'a dit pendant un mois et demi. Donc, fonce. Un grand merci à vous. On vous souhaite un très bon lundi. Reposez-vous bien parce qu'on a tous eu un très gros week-end. Très bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Jouez bien. Et à cette fin de semaine, dès jeudi, pour la HSC Home Story Cup. Gros bisous à tous. Encore merci aux invités, à Kéry, à toute l'équipe. Et à jeudi. Allez, ciao tout le monde. Ciao.